Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog, puisque bah là, ce matin, c'est petite matinée, on va dire, bah tu vois, je suis dans un camion, j'ai loin un camion. Et là, ce matin, ça va être matinée, bien transfert de matériel mobilier dans un autre appartement, puisque je me fais livrer une baignoire balnéo dans un précédent appartement. Donc là, je transforme de plus en plus mes appartements, j'essaie de créer des expériences, je transforme tout. Donc je l'ai fait un par un, bien évidemment, ça demande quand même un peu de travail. Et là, ce matin, du coup, j'y vais. On va réceptionner tout à l'heure cette baignoire, mais en attendant, on va déplacer des meubles qu'on va placer eh bien, dans un nouvel appartement. Alors cette fois-ci que j'ai acheté. Et du coup, les travaux vont démarrer dans un mois. Et du coup, je commence déjà à déplacer des meubles, parce qu'à un moment donné, il faut bien... mettre le stock quelque part. Voilà, donc je t'emmène avec moi et bah là, tu verras ça dans les prochains épisodes. On se retrouve dans l'appartement. Du coup, la livraison a eu lieu hier soir. Là, tu vois, je viens de repasser ce matin. Bon, voilà, ça se présente comme ça. Donc là, du coup, bah, j'attends l'artisan. Il va passer dans le monde aujourd'hui pour faire donc bah, toutes les installations, puisque là, on va être obligé de passer, on va être obligé de creuser ici, enfin, tout simplement de créer un accès. Hein. Donc là, si on est sur un mur porteur, il va falloir creuser, etc. C'est quand même pas, ça va être quand même du boulot. On essaie de se raccorder du coup derrière ce mur là. Voilà, il y a aussi la pose d'un chauffe-eau, donc il va falloir qu'on voit ça, parce qu'on a besoin d'un gros chauffe-eau. Voilà, donc, du coup, bah, tout a été livré. Je t'avais déjà présenté cette baignoire là, hein, il y a quelques temps de ça. Donc moi, du coup, j'ai un accord particulier avec la société, puisque je suis client. Et d'ailleurs, quand tu rejoins mes programmes de formation, notamment Expérience Formula, eh bien, ça permet de profiter d'une remise de pratiquement 500 euros sur ce type de produit. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc du coup, bah, là maintenant, on va réenchaîner sur toute une phase de décoration de cet appartement, bon, qui était déjà acceptable, on va dire, mais c'est largement insuffisant sur ce qu'on peut faire ici. Donc du coup, bah, avoir un peu de boulot, déco, etc. Mais ça devrait être plutôt pas mal. Voilà, donc du coup, bah, là j'attends donc l'artisan qui devrait plus trop tarder. Et puis, bah écoute, j'ai partagé bien entendu tout ça avec toi. Allez, je te dis à très vite pour une prochaine partie. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui dans l'appartement, puisque bah, hier je t'avais fait voir, enfin, dans le précédent épisode, la livraison de la baignoire. Donc ça y est, c'est installé. Donc voilà, ça a été raccordé, tout fonctionne parfaitement. Bon, je vais pas te la mettre en eau, ça sert à rien. Par contre, du coup, bah voilà, ça, il y a le grand ballon, enfin le ballon d'eau chaude. Donc on va le coffrer, bien évidemment. Je te ferai voir ça une fois que ce sera fini. Mais voilà le résultat, d'accord. Donc là, auparavant, il y avait le lit. Là, le lit, du coup, il va être mis comme ça, en fait. La télé va être suspendue et bah, on va charger en décoration, etc. Donc je te ferai voir ça dans les prochains épisodes, bien évidemment. Mais ça devrait être plutôt sympa. Bienvenue dans cette nouvelle partie du vlog. Donc là, je me situe dans le même appartement que je t'ai présenté l'autre jour. On s'est fait livrer pas mal de choses. La baignoire est enfin posée. Là, on est en train de terminer la décoration. L'agencement, on va dire l'ameublement, pas mal de petites choses. On va mettre des nouveaux cadres, etc. Et je vais te présenter ça tout de suite. Et je suis pas tout seul, d'ailleurs. Jamais tout seul. Il m'a demandé d'être sur la caméra. Non, voilà, on est en train de... Tac, voilà, la baignoire.
Donc oui, je te présentais Cédric, voilà, qui bosse maintenant avec nous dans la conciergerie. Ah, faut pas le dire. Bon bah on le dit pas alors. Allez, on continue. Ah oui, il est consultant. Voilà, tac. Donc du coup, le chauffe-eau qui a été posé, la baignoire. Voilà. Donc création d'expérience, comme je le dis tout le temps, c'est ce qui va faire la force de cette activité. Hein. C'est vraiment vers ça. Enfin, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller aujourd'hui si vous voulez avoir des résultats bien supérieurs à ce qu'on est capable de faire, on va dire, de manière traditionnelle. Voilà, voilà. Donc du coup, on avance, puis je continuerai à publier des petites parties de ce vlog. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog. Donc là, on est dimanche, il est le dimanche 29 mai. Donc là, je suis en train tout simplement de me préparer pour le live que je vais tenir sur YouTube dans quelques instants. Enfin, que je vais tenir à 18h, tous les 17h12, au moment où je te fais cette petite partie de vlog. Et puis là, je suis en train de mettre à jour tout simplement dans la formation le replay de mon dernier live, puisque tu le sais, je fais des lives régulièrement, des lives privés, privatifs, pour les membres de ma formation. Et notamment, hier, j'ai invité un expert comptable, tout simplement, pour répondre à toutes les questions sur la comptabilité, sur la bonne gestion de son entreprise. Et puis aussi, j'ai proposé tout simplement aux membres de ma formation une offre qu'on a pu travailler avec justement ce cabinet d'expertise comptable. Donc là, du coup, ça se passe comme ça, tout simplement. Là, je suis en train de mettre à jour dans la formation. Voilà, et là du coup, ça va s'afficher dans quelques instants puisque la vidéo est encore en cours d'upload, comme tu peux le voir juste ici. Voilà, donc là du coup, c'est en train de se mettre à jour tout simplement dans la formation. Donc ils auront accès au replay directement de la formation. Et si tu veux voir un petit peu comment ça se passe, la formation c'est tout simplement comme ça. Voilà, tu as la formation et là tu retrouves tous les différents modules liés à l'intégralité de ma formation avec des études de cas et puis les replays des différents lives que je peux tenir les différents samedis. Voilà, et du coup je suis en train de préparer tout simplement le live qui aura lieu à 18h, live où je vais poser, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et l'idée c'est de répondre à toutes les questions liées autour de l'immobilier, location courte durée, sous-location, conciergerie, enfin bref, ça devrait être plutôt passionnant. Donc je suis en train de préparer tout ça. Et puis je te dis à très vite pour la suite de ce vlog. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog. Là aujourd'hui, je me situe en compagnie de, on va dire collègues de travail, amis en même temps, tu vas voir, c'est ça aussi qui est bien dans le business, c'est que tu te fais des amis et ça c'est vraiment cool. Et du coup là, on partage un bon repas, tu vas présenter les personnes qui sont autour de moi et qui tout simplement, aujourd'hui c'est la journée travail, boulot, malgré ce que tu vas pouvoir voir dans les secondes qui vont suivre. Mais pourtant, on travaille bien. Mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt aujourd'hui d'entreprendre. Donc je vais te les présenter un par un. On va commencer par Cédric. Bonjour Cédric, alors qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? C'est toi qui le dirais. Ah bon, alors je te le dis en fait. Clairement, ce que fait Cédric, c'est qu'il est aujourd'hui, il participe dans le développement de la conciergerie. Puisque la conciergerie est en train de se développer, on essaie aussi de se développer sur un plan beaucoup plus régional, donc sur d'autres villes, et Cédric qui participe. Et voilà, donc du coup, Cédric vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, c'est ça, je ne me suis pas trompé. C'est ça. Voilà. Je vais te présenter ensuite Samy qui va se laisser, qui va se présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Moi, je suis Samy, je suis l'homme de l'ombre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'assiste Sébastien dans tout l'aspect formation. Et je suis là au quotidien avec lui. Bon, super, super. Et on a Maxime. Bonjour tout le monde. Que fais-tu, Maxime? Ouais, homme de l'ombre aussi. Moi, je travaille avec Sébastien pour faire en sorte que vous le trouviez facilement. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, bon. Et puis, on a Crane, mon épouse, qui fait la comptabilité aujourd'hui, qui s'occupe de toute la partie comptable de l'entreprise. Donc, tu vois, on est bien accompagnés. On a pris le petit fût de bière. On s'est pris... la nourriture indienne qui m'a l'air très sympa, ça c'est un poulet shahi korma et ça c'est vraiment juste excellent. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc là aujourd'hui, journée de travail, on bosse aussi bien sur la partie conciergerie que sur la partie aussi formation.
Et l'idée, c'est de te proposer toujours plus de valeur et bien entendu structurer les choses, notamment par rapport aux différentes certifications que je peux avoir aujourd'hui, via notamment eh bien, Calliope et à travers le CPF, puisque aujourd'hui tu peux faire financer les formations via le CPF. Voilà pour cette partie du vlog et je te dis à très vite pour la suite des opérations. Allez, on se retrouve dans la dernière partie de ce vlog. Donc du coup, eh bien, tu le sais, ce mois-ci, je lançais du coup une nouvelle expérience, la création eh bien, d'une romantic room dans un de mes appartements que j'ai converti eh bien, dans ce type d'expérience, tout simplement parce que je voulais doper ma rentabilité. Donc voilà, on a terminé. Ça n'a pas nécessité, tu vois, de grosses modifications, mais ça a quand même permis vraiment, tu auras le résultat, de passer à autre chose. Et surtout que moi, ça me permet de dégager beaucoup plus de rentabilité. Je vais voir ça tout de suite. Donc du coup, on arrive, voilà. Donc là, tu retrouves ce qu'on avait initialement. On a changé, bien entendu, la disposition des meubles, bien évidemment. J'ai rajouté des petits sièges comme ça. Voilà, on a changé les rideaux, bien évidemment. On a rajouté quelques tableaux. Voilà. Donc tu te rappelles un petit peu comment c'était initialement. La télévision, du coup, voilà, elle est passée en télévision suspendue. Là, le chauffe-eau, on a essayé un petit peu de maquiller ça, parce que je ne voyais pas trop comment faire autrement. Je voulais pas forcément mettre un coffrage spécifique. Donc on a essayé d'habiller, se mettre faire un petit côté déco en même temps. Donc on retrouve la fameuse baignoire balnéo pour deux personnes. Voilà, qui est là, qui est prête, qui fonctionne. Du coup, le petit déshumidificateur qui est super important, parce que ça permet d'humidifier la pièce, que forcément il y aura un taux d'humidité qui va être très important. Voilà, grosso modo, ce qui a été ici changé. Donc tu vois bien, c'est pas non plus un énorme investissement, mais voilà, il y a toute une étape de décoration à mettre en place. Voilà, pareil aussi pour la partie cuisine qu'on a revue. On a monté un petit peu en gamme par rapport au café, notamment la cafetière que j'ai changée, etc. Ou aussi au niveau des tout ce qui est couteau, fourchette, etc. On a essayé de monter un petit peu en gamme pour avoir quelque chose de plus qualitatif encore. Voilà. La salle de bain, rien n'a bien changé là-dedans. Voilà, c'est assez classique. Mais tout est prêt et fonctionnel pour accueillir mes premiers voyageurs. Voilà, du coup, on a terminé sur ce vlog. J'espère qu'il t'a plu. Comme tu le sais, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. N'hésite pas à lâcher gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu, bien évidemment. Si toi aussi, tu veux te lancer dans la création d'expériences de tes appartements, sache que je t'ai préparé justement une formation gratuite où je t'explique tout, comment mettre tout ça en place. Je donne aussi des bons plans, où acheter du matériel comme celui-ci. Et notamment comment économiser jusqu'à pratiquement 400 euros si tu passes par un de mes partenaires. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Tu récupères ça bien entendu dans la partie description, tu déroules, tu vas découvrir une formation gratuite. Et puis tu verras par la suite si tu souhaites aller plus loin, il y aura quelque chose qui te sera proposé bien évidemment. On a terminé, je t'invite tout simplement à rester avec moi puisque on va enchaîner sur une prochaine vidéo bien évidemment. Et puis le mois prochain, tu retrouveras tout simplement une nouvelle vidéo par rapport à un vlog puisque j'essaie de publier chaque mois un vlog, c'est-à-dire en gros ce qui se passe pour moi dans mes appartements, dans mes locations courte durée, dans mon immobilier. Enfin bref, je partage tout simplement ma vie avec toi à travers ce vlog. Sur ce, je te laisse. Tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Excellente journée et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !